Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, me revoilà. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel virus je vais choper par la suite, hein, voilà. Mais bon, je suis retombée malade, j'ai attrapé une bonne grippe. Et vraiment, une bonne, vraiment. J'ai passé une semaine allongée à n'en plus pouvoir, voilà. Et bien entendu, je l'ai refilé à Bibou et je l'ai refilé à Doudou, hein. Donc c'était génial à la maison. On a fait du chiffre chez Kleenex. Donc désolée si je tousse, si je renifle, hein, mais bon, c'est toujours un peu là, il n'y a rien à faire. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des challenges que j'ai décidé de me faire cette année. Donc, mes lectures communes. Mon Kill Saga, j'ai le challenge un livre à moi, où je vais vous présenter les livres du coup que j'ai décidé de lire. Il y en a certains que j'ai papier, il y en a d'autres, je les ai pas, j'ai pas eu la foi de les chercher, voilà. Mais il y en a quelques-uns que j'ai quand même, j'en ai d'autres de papier, et de toute manière je vous mettrai la petite photo juste ici. Et certains sont des e-books, hein, parce que moi, clairement il faut que je vide aussi un peu ma liseuse. Voilà, donc pour cette année 2020, donc le challenge un livre un mois, l'année 2019, je l'ai plutôt bien réussi celui-ci, donc c'est pour ça que je me le suis remis. Au mois de janvier, je m'étais mis American Royals et je l'ai lu, voilà, je l'ai lu, j'ai réussi à le lire, malgré, je pensais pas que j'arriverais à le finir à temps, parce que bah, j'étais vraiment pas bien, mais voilà, j'ai réussi. Donc celui-ci, il est déjà lu. Pour ce mois de février, je me suis mis Prince Captif, donc le premier tome. Je ne l'ai pas papier, si. Non, je ne l'ai pas papier celui-là, je crois pas. Non, celui-là, je ne l'ai pas, ça sera sur ma liseuse. Bah, bien entendu, à cause de Nina Quill, hein, voilà. Donc celui-ci, ça sera pour février. Là, en ce moment... Oh. Bella! T'as pas l'impression de gêner là? Pourquoi tu te mets sur mon livre? Tu vas me l'abîmer. Descends. C'est pas possible. Sale gosse. J'ai une lecture en cours dont je vais vous parler peu de temps, dans peu de temps. Mais voilà, après celui-ci, bah, j'attaquerai Prince Captif. Au mois de mars, je me suis mis Alaska Wild. C'est de... pas qu'il est au cœur, je sais plus, enfin bon bref, chez Hugo. Celui-ci ça sera aussi en ebook. Oh là là, j'ai mon nez, je n'en puis plus. Pour le mois d'avril, je me suis mis Sous la même étoile, ça me semble que c'est chez PKJ, et pareil, je n'ai pas papier. Là c'est la plupart, c'est que des ebooks, hein, pour vider un petit peu ma pâle ebook. Pour le mois de mai, je me suis mis Tornade, et celui-ci sera en lecture commune aussi avec ma soeur. Et celui-ci, je ne l'ai pas non plus papier. En juin, je me suis mis The Kiss Quotient, encore un Hugo. Il me faisait très envie celui-ci, il m'a semblé en avoir vu de bons avis, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Ah oh là, c'est dur. Pour le mois de juillet, je me suis mis La Sirène, donc de Kiera Cass, malgré que je n'ai pas fini la saga La Sélection. Ah bon, bref. Pour le mois d'août, Âme Vagabonde, et j'espère que ça va aller celui-ci. Je n'ai pas vu trop gros. Enfin, on verra bien. Parce que bon, bah, juillet-août, on sait très bien que c'est... Enfin... Est-ce que... Je verrai bien. Je sais pas. Si ça va le faire ou pas. Si j'ai du monde à la maison ou pas. Je sais pas. Mais celui-ci, je l'ai papier, mais j'ai pas eu la foi. En septembre, je me suis mis Sous la pluie. Il me semble que c'est un Jojo Moyes, celui-ci. Je sais pas si je l'ai pas là. Pardon, c'est tellement le bazar. Non. Non, je l'ai pas en papier, celui-ci. En octobre, Après nous,
Ça fait un moment qu'il me tente celui-ci, donc voilà. Puis un moment qui doit être dans ma palibouc aussi, donc faut vous aider, hein. Pour novembre aussi, c'est une relique. Sorcière associée, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma liseuse celui-ci. Puis bon, je me suis dit novembre. Alors, malgré que ce soit fin octobre, non? Enfin bon, bref. Moi et Halloween, de toute manière. Enfin, pour la fin d'année, je vois toujours des trucs un peu plus glauques. Et en décembre, je me suis mis tout en haut de ma liste. Donc ça, il me semble que c'est un nez Emily Blaine. Ah. Ensuite, pour les challenges, lecture commune. Donc ça, c'est les lectures communes que je me prévois avec ma soeur. Mais on a du mal à lire en même temps. Il y a toujours... c'est souvent moi qui ai un problème parce que bah, soit je suis malade, soit le livre, j'arrive pas à me mettre dedans. Enfin bon, bref. Donc on s'est noté mon plus beau rêve, donc de Liliem, parce que bah Liliem c'est la vie. Ensuite on s'est noté s'il fallait se dire adieu de Madeleine Reiss. Celui-ci il me faisait, enfin il me fait terriblement envie. Ça, enfin dès qu'il est sorti, je le voulais, je l'ai trouvé. Ah, il m'a eu ce pour pas cher et enfin voilà. On dit sur François Lugier, moi perso, je m'en fous. Et voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. Donc oui. Celui-ci, faut pas qu'on le laisse trop traîner. On s'est noté un bonheur imparfait, mais bon, elle veut le garder pour vraiment la fin de la fin, j'ai l'impression. Moi je voulais le lire là parce que je me suis dit ça va peut-être m'aider à me mettre un coup de fouet, et bah, j'aurais vraiment envie de le lire. Parce que bon, bah, Colleen Hoover, c'est mon auteur chouchou. Mais bon, c'est vrai qu'après, j'en aurai plus en stock. Donc, ouais. Ensuite, on s'est noté La disparue de la cabine numéro 10. C'est notre lecture en cours. Mais bon, j'avance pas plus que ça pour l'instant. Hein? On verra bien. Donc c'est de Ruth Howard et un petit thriller. On verra bien ce que ça donne. Thriller ou suspense, je sais pas trop. Mais bon, ça se passe sur un bateau. Ensuite, Beignet de tomates vertes, parce que bah Fanny Flagg, ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque. Et bah, ça peut être très bien. Mon amie Adèle. Ça c'est de. C'est Sarah Pimpolo, non? Thérapie du crime de Sophie Jomain et Maxime Gilliot. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Sophie Jomain. J'ai pas avancé dans ma saga Félicité Hadcock. Mais bon, je l'ai noté dans mes Wikisagas, saga, vous allez le voir tout à l'heure. Donc voilà, un petit Sophie Jomain. Tornade, donc qui est aussi dans mes lectures du mois, du coup ça sera lu en mai celui-ci, Tornade. Et Semi-Surface de Olivier Norek, je crois que c'est celui qu'elle m'a ramené. Oui, il est dédicacé celui-ci, donc voilà. J'espère que je vais accrocher, que je vais arriver à l'avancer plus vite que celui que je lis en ce moment, parce que là c'est compliqué. Je vais peut-être me poser après pour aller lire un peu, je vais voir si j'ai le temps. Mais bon, voilà, un petit thriller. Ensuite, bah super challenge Kill Saga, et là il va vraiment falloir que j'arrive à avancer ces sagas, parce que j'en ai énormément, j'en ai bien 60 voire plus de commencer. Donc il va vraiment falloir que je me mette un coup de pied au cul et que j'en finisse un maximum, et voilà. Enfin bon. Et que j'avance vraiment les plus grosses aussi, parce qu'il y en a beaucoup trop de tomes. Donc il y a Partial, voilà, j'ai lu que le premier tome, et il va vraiment falloir que je. Pourtant j'ai bien aimé ce premier tome, hein, donc je sais pas pourquoi. Je m'arrête toujours à ce premier tome. La saga Breathing de Rebecca Donovan, pareil, j'ai lu que le premier tome, pourtant je l'ai bien aimé. Psy Changing, bon, là j'en suis normalement au tome 5, il me semble. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas lu, donc je devrais voilà, m'y remettre, essayer, mais je lis plus énormément en ce moment, vu que j'étais pas mal malade. J'aimerais bien en relire quand même un peu plus.
pas lire que deux, trois livres. Enfin, je lis deux livres dessus, plus un audio, un manga, une BD. Sur le mois, normalement. Ouais. Ensuite, Twilight, parce que pareil, j'ai lu que le premier tome. Bon, j'ai réussi à finir les Hunger Games. Il va falloir que je me mette, voilà, Twilight, pareil, pas trop loin. Et... Ouais. Les Sang, pareil, j'ai lu que le premier tome. Les Frères O'Neill, là, il me reste plus que le dernier tome. Et j'aurais dû le lire là, pendant qu'il fait encore un peu froid. Vraiment, il va falloir que, ouais, que je me le mette celui-ci et que, voilà, que, ça, que je finisse cette saga. Parce que bon, c'est de Sarah Morgan et enfin, ça se lit bien. La cinquième vague. Bah pareil, j'ai lu que le premier tome. Et c'est des reliques de Pâle, hein, en plus, ça fait tellement longtemps que je les ai. Depuis que c'est sorti, quoi. La saga Neil. Là, il me reste le dernier tome à lire. J'avais commencé à le lire et j'ai été très désappointée. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait le point de vue de Lille. Et ouais, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Mais il va falloir que je m'y remette et que je me mette un coup de pied au cul. Les filles au chocolat, pareil, j'ai lu qu'un tome. Pourtant, ça se lit vite, ça se lit bien et voilà. Je sais pas. Hush, hush, j'ai lu que le premier tome aussi. Pourtant, j'ai les tomes suivants maintenant. Dans ma. Est-ce que je les ai tous? Peut-être pas. Mais bon, je les ai dans ma liseuse au pire, mais. Ouais. Les ombres de la nuit. Là, j'en suis au tome 6, normalement, je crois. Donc, ouais, un coup, faudrait que j'avance. Un coup, les psy changeling. Un coup, les ombres de la nuit. Mais, ouais, c'est une saga que j'aime beaucoup. Chaque fois, je dévore le tome. Donc, il va vraiment falloir que je m'y remette. La sélection. Il faut que je me lise L'héritière. Il est juste là. Mais je pense que je vais vous faire choisir aussi. Je vais vous faire. C'est vous, hein, c'est vous qui choisissez. Pour choisir ma prochaine lecture, je pense. Après, bah, j'ai encore ma lecture du mois de toute manière. Mais après ma lecture du mois, voilà. Je pense que ça sera votre choix qui passera. Donc, oui, la sélection. Tatiana, il me reste le dernier tome à lire. Mais c'est une papasse. C'est ça qui me fait peur, je pense. Je pense. Félicité Hadcock. J'ai lu que le premier tome. Pourtant, je les ai tous. Hein. Et Fight for Love, je sais plus trop où j'en suis et je sais pas si je vais pas l'abandonner celle-ci. Parce que c'est plus vraiment ma cam. C'est du cul pour du cul. C'est plus trop. Ouais. Le tome d'avant, je l'ai pas plus kiffé que ça. Pardon. Donc je sais pas trop si Fight for Love, je vais pas juste abandonner et puis voilà, j'ai lu déjà suffisamment de tomes. Je sais même pas si le tome suivant est sur le premier couple. Là, le dernier tome que j'ai lu, c'était sur la meilleure amie de l'héroïne principale. Donc je pense que je vais pas continuer avec ceci, je pense. Donc voilà pour mes challenges, je me mets juste ceci parce que je sais que ça va être encore une année compliquée niveau lecture. Je préfère ne pas trop m'éparpiller, aller voir. J'ai même pas été voir les challenges Livre Addict pour vous dire. J'ai pas été voir parce que je vais m'en noter et je vais. Ça fait déjà suffisamment de lecture, je pense. Déjà mon challenge, si j'arrive à faire mon challenge un livre à mois, c'est bien. Si j'arrive à me mettre en plus une BD par mois et un manga, là c'est jackpot. Donc voilà. Je vais me contenter de ça. On va rester cool. On va pas s'en mettre, s'en mettre, s'en mettre. Si je vais finir déçu, c'est pas la peine. Donc voilà, je me mets juste ceci et ça devrait suffire. Il faut vraiment que je vide mes bibliothèques. Et que j'avance mes sagas. Voilà. Parce que j'ai de quoi faire hein, niveau lecture. Hein. Clairement, il peut y avoir une petite tempête de neige ou qu'est-ce. Je serai tranquille chez moi à bouquiner. J'ai de quoi faire. Donc voilà pour mes challenges 2020.
Je suis toujours tentée de dire 2019, je suis encore pas encore passée à l'année d'après là. J'ai vraiment du mal. Hein. Les microbes ne. Non. Je ne. J'ai du mal. Et ça fait mal à la tête quand je tousse. Ah, j'en peux plus. Et les doliprane, ils ne font rien. Les efferalgans non plus. J'en peux plus d'avoir une patate à la place du nez. Bon. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel challenge vous vous êtes fixé pour cette nouvelle année. Moi, je vous fais d'énormes bisous sans les microbes. Et je vous dis, à mercredi pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Et restez au chaud. Restez au chaud. Évitez les microbes.